you're out and about in the next few days, that the traffic will be coming first of all from your left, and then of course on the other side coming across you on the right. So always look left first. Okay, we're just going up to a gare du Péage, which I mentioned earlier. This is the toll station. Can we pick up the tickets? The hypermarket at Boulogne, the centre commercial, Leclerc, it's got lots of... Bonjour, Monsieur Mias. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On the morning of an inevitable clash, in which they would be outnumbered, confessions succeeded one another, since everyone was sure of his own defeat. In the middle of the day, Henry took the initiative and ordered the English line to move forward within 300 yards of the French lines. The French response was immediate. Charles d'Albret, Constable of France, ordered the knights, followed by armored foot soldiers, to cut off the flanks of the English archers. By the time they reached the English line, most of the heavily armored knights were exhausted by the struggle through the mud and received the full effect of English archers, as they were now. The battle turned into an indescribable mess. The dead bodies and horses hampered the advance. The French ignored the English archers, who were firing constantly, so as to gain glory by defeating the English nobles. The others, standing, were so crowded that they could not be efficient. With a club that could not really be seen, nor prevented, through the too narrow visor of their helmets. They were also pierced with swords, halfway towards the third line, which was witnessing the scene, impassive and powerless. In less than 2 hours, the English... Bonjour! Bonjour! Ça va? Bonjour! Bonjour! Bring the camera. Bonjour! One crushing victory. Alors là, pour les pains se reposent dans des bannetons. La farine, on la laisse comme ceci. Fabriqué au moulin. So that was made in the mill. Alors de là, qui a été fabriqué au moulin pour faire le pain, de la levure, mais pour faire. What came out of the mill? The wheat, oui. La farine. La farine, ensuite. So farine, what next? What's the next most important thing? What did you wash your hands with? Farine, ensuite de l'eau, et pour donner du goût. And to have a little bit of taste.
Not non, strong, pas, de, pas de sucre, non, non. Pas de sucre comme the opposite taste. Oui. Sel. Sel. Ah, oui, c'est ça. Alors là, pour les pains se reposent dans des bannetons. La farine, on la laisse comme ceci. Non. Alors, ça sent pas bon. La bonne pâte à pain. Si. Non. So with the palm of the hand. Les dessous. And you turn it over so the key is on the bottom. Bien fermé. Voilà. Voilà. And you turn it over. Un bel esprit, un prix Nobel. S'il faut briller dans le tout Paris, sorry. Si la réussite vous excite, le style youpi cool mais dynamique, coque pour le spin, pince pour la nuit, oublie. So 200 grams each last year, nearly 300 grams each. In 15 years, they eat as much chocolate as we do. See what happens. All the air that is mixed inside the chocolate, see bubbles coming out slowly everywhere. You take them out to make sure that they're in the air. A hard shape. I want to show you what it is smooth. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, les trois.
Ça trinque à la pétanque au comptoir chez Marseille. Ça brasse, ça tout va, c'est beau le sein d'une fille. Ça camembert le chinois, ça frise à la Bastille. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du la gueule à l'opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T. Ça avale son Vichy et ça Dreyfus la joie. Jean Moulin Rouge aussi, Pierre Béret Cauvois. Sa liberté de la presse, c'est pas qu'une impression. Le plus souvent, ça OS chez Renault, chez Citron. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du lagal à l'opinel, de partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, ces trois mots se terminent en T. Ça vous plaît, malaise. Je vous aimerais pas dans la sueur, genre stacanoviste du bonheur. La voix mielleuse, alors heureuse, horreur. Genre australien blond, sable chaud. Surf sur les vagues, sale sur la peau. Grand les sourires, gros biscotto, zéro. Mais je serai doux, comme un bisou voyou dans le cou. Attentionné, tiens à vos genoux. Des caresses et des mots à vos goûts. Dans la flemme absolue n'importe où, mais d'où. Où je suis. Un intellectuel, un bel esprit, un prix Nobel. S'il faut briller dans le tout Paris, sorry. How are you holding it? Les modes d'emploi, notice technique, j'ai vu. Et je serai doux, comme un bisou voyou dans le cou. Attentionné, tiens. Caresser des mots à vos goûts, dans la flemme absolue n'importe où, mais d'où. Je serai doux,
Capitaine exclusif à vos cours, c'est doux. Where did we go today? First, we went to Hypermarché Leclerc. Oui, l'Hypermarché Leclerc, that's right, the hypermarket. The Leclerc hypermarket. Where did we go today? First, we went to Hypermarché Leclerc. Oui, l'Hypermarché Leclerc, that's right, the hypermarket. The Leclerc hypermarket.